Bon. Oh putain, on a un pédophile, les gars. Regardez le pédophile juste en dessous. Je m'appelle Patrick, j'ai 66 ans, je suis propriétaire d'un gîte rural à Vimoutier dans l'Orne. Ouais, ouais, ouais. Je regarde beaucoup la télévision, surtout les informations, et j'adore faire de longues marches dans la campagne, ça me détend. Ouais, ouais, de longues marches dans la campagne. Tout seul? Ou avec des enfants? Patrick. Hein? Tu me prends pour un con, regarde-le comme il me regarde. Tu veux une bof dans... En fait, dans le reflet de ses yeux, je vois les dossiers qu'il a sur son PC, en fait. Je sais sur quoi il appuie quand il démarre son PC. Merci. Je m'appelle François, j'ai 38 ans et je suis moniteur de moto-école à l'ECA dans le Nord. Mes passe-temps préférés sont le bricolage, les voyages et le foot. Ah ouais, donc lui c'est juste une merde en fait. Hein. Bricolage, foot, grosse merde quoi. Ah, vous voyez, il y a beaucoup de blancs. Ils ont essayé de faire la parité, hein. Je m'appelle Brigitte, j'ai 26 ans et je suis journaliste. J'habite à Argenteuil, j'aime beaucoup rencontrer de nouvelles personnes et lire aussi des magazines d'actualité et de mode. Attends, on va vérifier un truc. Je m'appelle William, j'ai 35 ans et je suis contrôleur aérien à Roissy. J'adore la lecture, le bricolage et la photographie. C'est un blanc qui fait la voix. On est d'accord que c'est un blanc qui est en train d'imiter. Je peux pas croire en fait. Non mais bien, le maillon faible ça... Non mais j'avais un doute là, mais bon, le maillon faible, c'est pas grave, on va dire c'était en 2002, les gens étaient pas trop, voilà, c'était TF1. Choisissez l'un des 24 concurrents se préparant à l'émission d'aujourd'hui. On a Théorus. En sélectionnant et en appuyant sur la touche. Racisme mono, racisme mono. J'ai 29 ans et je suis informaticien à Voiron dans l'Isère. D'accord, Théorus. Je suis un passionné d'entomologie et des locomotives à vapeur. Non, mais donc passionné de locomotives à vapeur. Je m'appelle Antoine. Non, arrête. Je m'appelle Diane, j'ai 29 ans. Je suis esthéticienne à Croissy-sur-Seine. Ce que j'aime surtout, c'est la campagne. Non, mais c'est une allumeuse là. Organiser des événements caritatifs. La campagne. J'aime bien tout ce qui est cuir. Fouet. Virginie, 22 ans. Oh, les voix! Dans Montpellier. Je suis passionnée par les sciences en général, mais. Ta gueule, ferme ta gueule, elle est énervante, ta voix! Grosse connasse! Oh, Patricio! Je m'appelle Gauthier, j'ai 18 ans et je suis DJ à Toulouse. J'aime bien le skate, les films d'action et la musique techno. J'aime bien Patrice, hein, putain de merde. Il a la voix de Neymar. Hein. Bonjour, moi c'est Cyril, non, j'ai 42 ans et je suis routier à Dax. Non mais c'est le meilleur jeu de l'univers. Surtout, hein. J'adore les jeux de société, et surtout ceux qui sont à base de questions. Des moments j'écoute du Renault, bon du Avril Lavigne, tout ça, voilà. Je m'appelle Bernard, j'ai 25 ans et je suis artiste peintre à Lyon. Je suis un grand amateur d'arts martiaux et de cinéma. Je vis la nuit, j'adore sortir en boîte avec des copains. C'est lui qui fait la voix de William ici. Hein. Voilà, je tiens à vous le dire. Attends, je bouge pour pas que ça fasse la voix à chaque fois. Alors attends, il y a une femme d'origine asiatique, j'ai un peu peur. Hein. On tente le coup? Parce qu'on a vu la voix de William. Je m'appelle Marie, j'ai 31 ans. Et je suis j'ai peur du cliché. Dans les Yvelines. J'aime sortir, aller au cinéma et j'adore me faire des soins chez l'esthéticienne. Mmh. On connaît ce genre de jeu. Ah bon, on va pas tous les faire, je vais prendre... Oula. Je m'appelle Emma, j'ai 30 ans. Je m'appelle Sébastien, j'ai... Bonjour, je m'appelle Guillaume. Ah lui, là, on l'avait vu. Moi, c'est Robert, j'ai... Je m'appelle Carole, j'ai... Maggie. Je m'appelle Maggie, j'ai 40 ans. Oh, la prof de sport. De sport à Clichy. J'aime tous les sports. Elle se lave pas le cul, hein. Elle se lave pas le cul après le sport, elle. Hein. Et je vais au Parc des Princes ou au Stade. Elle va au Paris des Princes, elle soutient le PSG, les gars. Bon, je vais prendre le gros port, je pense. Hein. Bonjour, moi c'est Cyril. Non, je vais prendre le DJ. Je m'appelle Gauthier, j'ai 18 ans. Et... Allez, on prend Gauthier. Je vous rappelle les règles du maillon faible. Dans chacune des manches, il y a 2 500 € à gagner. Ouais, ouais. Vous devrez répondre correctement. Un maximum de questions pour tenter de gagner cette somme. Ouais. Le moyen le plus rapide est de former une chaîne de 7 bonnes réponses consécutives. Casse les couilles. Attention, si l'un d'entre vous donne une seule mauvaise réponse, il brise cette chaîne et fait perdre à tous. Oui, on a... Bon, allez, tu me fais chier, connasse. Putain, regarde là comme on regarde là. Oui, j'écoute Freeze Corleone, tu vas arrêter de me juger, connasse. J'écoute. Mais elle me fixe dans. Elle me juge là.
Ah bon, écoutez, c'est un jeu... Attends, ça fait quoi si je fais ça? Waouh! Attends, je peux vous augmenter peut-être la résolution. Hop. Racisme ou non, hein, les gars. On n'a pas pris William, on prend pas de risque. D'accord, ouais, ouais, faut que j'essaye de jouer avec la cacabo, que ça va être trop drôle. Les autres repartiront sans rien. Les mains vides. Putain, la moumoute qu'elle a sur les... manche, la gueule sera éliminé par les autres parce qu'il aura été considéré. Elle est à poil, hein, en dessous. Le maillon faible. Mais découvrons tout de suite l'équipe qui va jouer avec nous. Présente-moi. Je suis DJ. Gauthier. Ouais, c'est moi. DJ à Toulouse. DJ à Toulouse, oui, c'est moi. 35 ans, contrôleur aérien. Fais pas l'accent s'il te plaît. Bernard, on est sur Twitch. 25 ans. Pas envie de peintre, Michel Leb. Maggie, 40 ans, professeur de sport à Clichy. Maggie, ouais, Maggie. Joseph. T'imagines le mec qui gueule de loin. Ouais, Guillaume. Ouh, Guillaume, c'est, je suis DJ. Vous m'entendez? 9 ans, serveuse à Rennes. Connasse. Allez, on commence. La première manche dure 2 minutes et demie. Ah, c'est trop bien le mélange de réel et de d'animé. Dont le prénom arrive en premier par ordre alphabétique. C'est vrai qu'il dit William. Ensuite, au maillon faible. Putain, mais c'est du réel là. Waouh. Bernard, c'est à vous de répondre en premier. Pourquoi je commence pas? Au maillon faible. C'est des bottes, hein, ceux qui jouent. Bernard, en nature, à vous de donner la bonne réponse. Il ressemble. Ah oui. Correct. Maggie. Ah, ça va vite. En divertissement. Rachel et son nain, son nain. Donner la bonne réponse. Non, mais attends, tu te fous de ma gueule ou quoi? Je sais pas. Mais fils de chienne, va. Josette. Attends, et Sandler, vous c'est. De donner la bonne réponse. Quel Sandler? Ça, je sais. Correct. Mais ils se foutent de ma Guillaume. Gueule. Ah, vous voyez pas les questions, attendez. À vous de retrouver la bonne réponse. Ah, hop. Correct. C'est Manuel Valls là, hein, qui vient de passer. En divertissement. À vous de retrouver la bonne réponse. Ah ok, je sais. Correct. Allez, à moi. Choisissez la bonne réponse. En littérature, que signifie le F dans... Fiscot Fitzgerald? Et pourquoi ça me l'affichait pas? Francis? Je tente Frisk Orléans. Fils de pute. Non mais c'est un Francis. Correct. Allez hop les suceurs. Bon. William. Oh là. En divertissement. Bon. Choisissez la réponse correcte. J'ai pas fait l'accent. Hein. Ça c'est une colle. Bernard, ils sont trop nuls par contre. Comment on fait? Choisissez la réponse correcte. Quand quelque chose se vend très vite, on dit que cela se vend comme des petits pains. Mais tu te fous de Maggie. Maggie. Il a dit haricot, le fils de pute. Correct. Ouais, ça je le sais. Correct. Josette. Quel monarque politique. Était sur le trône britannique, hein? À vous de retrouver. Ouais, la bon, bonne par contre, réponse. Ça, j'en sais rien. C'était pas. Ah, ça je sais. Correct. Guillaume. Ah, bah oui, c'est la même. Putain, il fait à tellement chaud. La bonne réponse. Quel est le nom de la tarte? Ah. Correct. Ah, je savais pas ça. Nathalie. Allez, connasse. Répondez à cette question. Quel est le nom? Oui. Correct. À moi, à moi, à moi. Gauthier. Quelle danseuse a été... ok. Mais tu te fous de ma gueule? Mais l'autre, elle a des questions, petit pain et tout, et moi j'ai ça? Ginger Rogers, ça fait bien nom d'actrice porno, je le sens bien. Boum! William, choisissez la réponse correcte. Arrête de dire bon, toi. Ah, ça, c'est une colle. Faux. Mais toi, t'es vraiment nul, hein? Oh, je vote pour lui, hein. Choisissez la bonne réponse. C'est bientôt fini, on ah, vote William, là. On vote qui? Là, on vote qui? Bon, Maggie. À vous de retrouver la bonne réponse. On vote qui, là? Fin du temps réglementaire. Vous auriez pu remporter... On doit virer quelqu'un. Euros. Vous conservez cette somme pour la manche suivante, mais l'un ou l'une d'entre allez, vous... Allez, 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 j'ai besoin de virer quelqu'un, là. Non, je vais pas virer William, parce que sinon on va crier... Racisme mono, les gars. Racisme mono. Mais c'est vrai qu'il est sacrément nul, William. Le maillon faible. J'ai le droit de voter au moins. Les membres de l'équipe doivent se fier à leur mémoire et à leur instinct au moment de prendre cette décision. À leur instinct. Je sais ce que je voterais si c'était mon instinct. Mais racisme mono ce soir. C'était qui la dernière? C'était Nathalie là? Elle était trop nulle elle. Putain, je suis DJ à Toulouse. Est-ce que je prends le bon choix?
Maggie, c'est vrai que c'est une sacrée connasse, Maggie. Hein. Ah, c'est la prof de sport, la grosse. Putain, elle pèse 300 kilos, elle est prof de sport. Hein. Vous, c'est pour non, mais désolé de le dire. Hein. Bon, allez, Maggie. J'ai fait mon vote. Hein. William, il va voter pour moi, il entend tout ce que je dis depuis tout à l'heure. T'imagines, le mec gueule vraiment à côté de lui, racisme. William, il vote contre moi. C'est des bâtards. Hein. Et comment je fais s'il vote pour moi? William est le maillon faible de cette manche. Gauthier est cette fois le maillon fort. Eh waouh! C'est William qui a mis le plus d'argent de côté dans cette manche. Bravo William! Les votes reflèteront-ils les statistiques? Très très fort, mec. Bon, les votes, c'est le moment de nous révéler qui, selon vous. Allez, vous me la virez, la Maggie. Là. Vous me virez la Maggie, j'en les peux plus. Les candidats ont voté. Elle pue la transpire au milieu du plateau, là. Maggie. 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 William. Oh, ça s'affiche! William. Gauthier. C'est trop William. Bien. Non, faut qu'on joue avec la cacabox. William. Ah, comment ça va s'insulter Bernard, qu'on va voter pour Grimm? Vous ne savez déjà pas grand-chose sur vos. Allez, casse-toi là. James Blunt reste, là. Pas terrible, terrible comme prestation. Hein. Pourquoi avoir voté contre lui? Bah, dans ce jeu, vaut mieux quand même savoir répondre aux questions. Enfin, du moins à certaines. Ouais, ouais, bah, dis tout de suite. Dis la vraie raison. Dis la vraie raison, Bernard. On connaît William. Tes opinions politiques. Vous on connaît tes opinions. De laisser tomber le reste ça, ça me dégoûte ce que vous faites à William. Plus lamentable. Ça me dégoûte. Je reconnais que j'ai pas fait assez attention aux détails. Oui, oui, non, mais t'inquiète, William. Il y a une ambiance sur ce plateau dégueulasse. Ah, ça c'est clair, la famille, les copains, les collègues. Au moins je l'ai fait, je pourrais leur dire c'est facile et puis venez, on en reparlera. Oh, c'est le jeu de l'année. Non, c'est le jeu de l'année, les gars. C'est le jeu de l'année, il est en train de raconter sa vie là. Et nous retirons encore 10. Allez, on continue là. Et nous commençons avec le maillon le plus fort de la manche. Par contre, je reviens Maggie. Hein. Tout de suite au maillon faible. Je reviens Maggie. Hein. On va avec la famille, les collègues. Gauthier, je vais pas imiter l'accent, les gars. Je suis resté respectueux. Vous de répondre en premier. Jouons au maillon faible. Allez, c'est parti, on y va. Top chrono. Gauthier, en géographie. Attends, mais parce choisissez que. La réponse correcte. C'est Ottawa, non? Est-ce que ça a changé depuis 2002 ou je sais pas quoi là? Moi je dis Ottawa. Correct. Allez hop, je suis trop fort. Bernard, en divertissement. Dans la série Pause Café, mais qu'est-ce la bonne réponse. Attends, alors, c'est qui la fille? Dites-moi qui a voté contre moi là. Dites-moi Maggie, qui a voté contre moi qu'on lui pète sa gueule là. À vous de retrouver la bonne réponse. Je sais pas. Mais faux. toi tu fais. Josette. Mais toi, à part faire des tours de terrain, sale conne, moi. À vous de retrouver la bonne réponse. Mais je sais pas. Je passe. Maggie, on va la dégager. Josette a voté contre moi? Allez. En science, choisissez la bonne réponse. Correct. Bon, t'es pas obligé de faire Nathalie, ce bruit, quoi. En divertissement. Mathieu Chédid. Répondez à cette question. Ah oui. Correct. Allez, hop. À moi. Gauthier. Quel animal dont le nom signifie cheval est un mammifère? Correct. Éléphant? Ça, c'est quoi? Et pourquoi il m'enlève les mots? Gorille. Bah, hippopotame. Je dirais. Hippo. Banque. Bernard. Banque. Oh, mais mec, on a 50 balles, tu mets banque. Choisissez la réponse correcte. Ah, c'est clair. Correct. Testing Red. En quel film? Ouais, non, mais là, attends, tu sais pas ça, je te dégage. Oui. Correct. Ouais, bah heureusement, ouais. Banque. Josette, en divertissement. Cacadou. Répondez à cette question. Ouais, les questions, et ça se voit, c'est des questions de 2002. Correct. Après, on va faire un qui veut gagner des millions, vous allez voir les questions. En science, répondez à cette question. Ah oui. Correct. Nathalie, en divertissement. En photographie, quel mot? Répondez à cette question. Que l'on place devant l'équipe pour nous. Je ne vois pas. Faux. Gauthier. J'ai le droit de faire manque, moi? À vous de retrouver la quel bonne terme réponse. Désigne l'étude des rayonnements et de la radioactivité? Affiche-moi la question, là, j'ai pas le temps. Ouais. Je suis Didier à Toulouse, comment tu veux que je sache ça, là? Mais la cardiologue. Faux. Fils de pute, ils vont me virer, du coup. Ils vont me virer parce que j'ai fait une faute. Du temps réglementaire. Une performance qui ne mérite même pas qu'on s'y intéresse. Ta gueule, connasse. L'autre, elle joue jamais, cette grosse, là. Elle me parle, là. Casse-toi d'ici, là. Devoir nous quitter. Je suis la présentatrice, je suis la chef d'émission. Qui mérite de quitter cette équipe?
Elle a trop l'habitude que les candidats ils disent rien, genre. Moi je te parle, moi. C'est à vous de le dire et de désigner le maillon faible. Oh l'autre, vous avez vu la tenue l'autre là? Elle a un short, hein. Bon allez, ça vire Maggie, elle est trop conne cette meuf. Elle va faire du sport ailleurs. Toi tu votes pour moi, je te dégage. Et après l'émission, on se voit. C'était dans quel maillon faible qu'il y avait un mec, il avait dit on va se voir après l'émission. Bernard est le maillon faible. Guillaume est incontestablement le maillon fort. Oui, incontestable. Bernard, on m'a pas sucé autant tout à l'heure. Il a mis le plus d'argent en banque. L'équipe va-t-elle le remarquer ? Pas du vote. Bah ils vont c'est voter Bernard du coup. Qui selon vous est le maillon faible ? Ils vont voter Bernard. Les candidats ont voté pour. Quoi ? Ah non. Maggie. Stop. Gauthier. Allez, casse-toi. Bernard. Bernard, elle l'a écrit comme Omar m'a tué là. Bernard. Non mais écrivez-le avec du sang, hein. Bernard. Bah là, dégage Bernard. Désolé, hein. Maggie. Putain, j'ai envie d'aller pisser. Dans une langue qui vous est je vais pisser, je reviens. Il est clair que je suis pas suffisamment préparée. Pourquoi cette personne ? Plusieurs mauvaises réponses, voilà. Bernard. Peut-être me suis-je exprimé dans une langue qui vous est totalement inconnue. Une performance qui n'impressionnera personne, cela va de soi. Oui, bon, je sais, j'ai été lamentable. Bernard, c'est vous qui avez le plus de votes contre vous. Vous êtes le maillon faible. Les gars, je suis là. Je me suis pas lavé les mains. Je me suis bien amusé. J'ai passé un bon moment, les gens étaient cool, c'était plutôt sympa d'être sur un plateau, tout ça. Ben, moi, bravo, ta gueule Bernard, tu dégages. Ils vont assurer, même sans moi. Casse-toi et parle plus jamais là, on dirait Bob Lennon. Troisième manche, plus que 5 candidats allez. En lice. Nous retirons encore 10 secondes au chronomètre et nous commençons avec Bernard, le plus dégage-os. Précédente. Non mais je me suis pas lavé les mains les gars, sur mon... Regardez-moi mon petit tableau là, il y a des microbes dessus. Hein. Vous étiez le maillon fort de la dernière manche et c'est à vous de commencer. Jouons au maillon faible. Allez, c'est parti. Je m'en rappelle plus, ça se passe comment la finale ? En géographie, choisissez la réponse correcte. Ah oui. Correct. Ah oui, je viens de me rappeler. Nathalie, en géographie. Ah ben c'est bien une question à poser à une blanche avec des. Ah oui. Correct. Oh mon cul, qu'elle savait ça, la tricheuse. En géographie. Quelle ville côtière est connue ? Bonne réponse. Ouais. Bah Cannes ? Non, je sais pas. S'il vous plaît, aidez-moi, je vais me faire virer. Saint-Tropez. Deauville. Correct. Maggie. Choisissez la bonne réponse. Oui. Mais toi, correct. Ça, toi... Ah, elle est forte, bon, en fait. En divertissement. Ah, Charmette, putain. Terra, il m'avait dit un jour, il s'était branlé devant Charmette quand ça passait sur W9. Guillaume. Bref, acte, hein. Géographie. À vous de retrouver la bonne réponse. L'Ontario. Correct. Ouais, je me disais bien. Nathalie. Phoebe. En géographie. À vous de donner la bonne réponse. Mais attends, lui, il pose que des questions étrangères et tout. Correct. Mais ils sont trop forts. Gauthier. En géographie. À vous de retrouver la bonne réponse. Les gars, je peux pas perdre. Je ressemble à Ben Arfa là. Vous me donnez la. Vite. Je peux pas partir maintenant. Allez, vous googlez là. Y a pas le temps. Italie, hein. Allez, hop. Eh ouais, les gars. Mais ouais, Maggie, putain. Répondez à cette question. Oui. Correct. Mais mytho, va. Comment elle est devenue aussi forte ? Divertissement. Choisissez la bonne réponse. Ravi. Frisk Orléans avait la réponse, hein. Guillaume, en histoire, choisissez la réponse correcte. Les casseurs. Correct. Les casseurs. Nathalie, en divertissement, à vous de retrouver la bonne réponse. Fonda. Ah, ok, je sais. Correct. Oh, bah non. Gauthier. Mais attends, mais ils ont tous répondu fin bon, là. Du temps réglementaire. Il y a eu info ou pas ? Une performance qui ne mérite même pas qu'on s'y intéresse. Attends, je vais leur dire. On vote Maggie, les gars. Conservez cette somme pour la les gars, on vote Maggie. L'un ou l'une d'entre vous va devoir nous quitter. La prof de sport, là. Je leur chuchote. Qui nous a régalé de ces mauvaises réponses depuis... Je sais pas comment on fait banque. Qui vous empêche de progresser. Je sais pas comment on fait. Ça a bugué, là.
C'est à vous de le dire et de désigner le maillon faible. Allez, les gars, Maki, on vote Maki, les gars. Ouais, je t'aime trop, Maggie. Connasse. Josette, t'as eu faux ? Ah bah tant pis, c'est Maggie qui prend. Elle sait que... Attends, mais je peux Josette me faire baiser, en vrai. Est le maillon faible. Nathalie est le maillon fort dans cette manche. Mais non, mais elle, ça se voit, Josette, c'est le ministre. Est la candidate qui a mis le plus d'argent en banque. Mais à chaque fois qu'il y a un maillon faible, il y a le truc de banque après. Oh, regardez là. Oh, le short de Josette, vous le voyez ou pas ? Horrible. Carrie ? Vas-y, je les ferai banque. Candidats ont voté pour... J'ai cru qu'à chaque fois que c'est moi. Maggie. Allez. Gauthier. Oh la pétasse ! Oh la pétasse ! Vous êtes chienne ! On se revoit après l'émission, bande de pute. On se revoit après l'émission. Il y a Josette qui a dit faux, bande de pute. Bah. Cassez-vous. Josette. Mais vous, comme ça, vous allez je suis DJ en boîte à Toulouse, vous rentrez plus jamais, bande c'est de chiens. Injuste. Ils n'ont aucune raison de m'éliminer. Pourquoi avoir voté contre lui ? Et d'habitude, je m'entends bien avec tout le monde, mais là, je crois vraiment pas qu'on... Mais tu savais pas... Mais espèce de mytho, tu savais même pas ce... Nathalie. Mais elle a cru que c'était une émission de rencontre, j'allais pourquoi lui parler. Avoir voté lui ça, c'est parce que j'ai chuchoté. Avec mon vélo, j'ai l'habitude de parler à toutes sortes de personnes. Il y en a pour qui c'est seulement bonjour et j'ai pas envie de parler plus longtemps. Avec lui, mais attends, tu juges ma... Attends, c'est parce que je suis... Gauthier. Je suis maghrébin, c'est ça? Intéressant, c'est le mot. Ah, j'ai compris l'ambiance du top. Non, mais les gars, on a compris l'ambiance du plateau. On a compris l'ambiance du plateau. J'ai quand même réussi à répondre à des questions complètement tordues, moi, au moins. Gauthier, c'est vous qui avez le plus... trop fort, Gauthier représente. Le maillon faible, au revoir. Sors-le. Tu vois, je pense qu'ils m'ont éliminé parce que je suis pas dans le même trip qu'eux, quoi. Ils se sont dit qu'il fallait que je parte. Ils ont le droit de le faire. Moi, j'écoute du Damso, j'écoute putain de merde. Et là, ils seront pas fiers, je vous le dis. Putain de merde, trop fort. Mais vas-y, mais va te faire foutre. Mais je me suis fait baiser à cause des racistes de ce jeu là. Putain, ils ont viré William et maintenant moi là. Baisez vos mères. En vrai, j'aimerais trop en faire un multijoueur. Attends, je vais regarder. Sélectionner jusqu'à 7 candidats pour participer. 7 candidats. Je m'appelle Carole. 7 candidats. Non mais de toute façon on a si on fait par sec bon, si on fait par sec je pourrais pas prendre on peut pas mettre autant de manettes sur l'émulateur. Comment ça 7 personnes c'est impossible. Ou alors il y a un mec qui contrôle. Ah ouais je sais pas comment ça se met. Putain je vais on va faire un live caca box dessus hein, et on va s'éliminer hein. Ça va être trop bien. Mais par contre, du coup, attends. Ouais, mais le truc dommage, c'est que... Bon, attends, je vais quitter parce que sinon, il parle. Le truc dommage, c'est que... Ça sera que sur un seul écran. Donc, il va voir... Ça serait trop bien un jeu comme ça. Mais chacun a son écran. Du coup, on voit au moment des votes qui vote pour qui. Et c'est trop marrant. C'est un peu dommage qu'au moment des votes, on va voir d'avance. L'une de ces options en les parcourant et appuyez sur la touche croix pour confirmer votre choix. On en refait une autre ou on fait qui veut gagner, les gars là. J'aimerais bien quand même gagner un maillon faible. Mais mec, c'est sûr que ça va voter Cryo, évidemment. Mais non, en fait, les gars. Parce que ça, c'est pas un jeu en ligne. Donc vous pouvez sélectionner jusqu'à 7 candidats. Par exemple si je fais ça. Je m'appelle Bernard, j'ai 25 ans et je suis artiste peintre à Lyon. Ta gueule putain. Bon les gars je vais prendre un blanc puisque j'ai bien compris les... Alors, voilà. Je vous rappelle. Attends on va prendre un bon blanc. Voilà lui c'est un bon fonctionnaire. Je me suis fait pas virer. On a compris hein. On a compris. Par contre, William, il va revenir, il va se venger, hein, je vous le dis. Donc j'ai fait un mauvais choix de prendre un blanc. Ah, mais c'est pas ça le problème. Le problème, c'est que il y aura qu'un seul écran, en fait. C'est pas un jeu... je sais pas comment les expliquer, en fait. Quand on va, ça sera l'écran le même pour tout le monde. Donc on va voir ce qu'on choisit à l'avance. Je sais pas s'il y a un multi. William, et il est de retour. Contrôleur aérien à Roissy. Oh putain, il est vénère. Hein. 41 c'est moi, je crois. À la tour du eh ouais, c'est moi.
Brigitte, 26 ans, journaliste à Argenteuil. Je vais me faire virer. 42 ans, routier Cyril. À Dax. Antoine, 29 ans, oula. Informaticien à Voiron. Diane, il a une camionnette ce mec. Esthéticienne à Croissy-sur-Seine. Sébastien, 37 ans. Oh, à Paris. Sexy Sébastien. La première manche dure 2 minutes et demie et nous la commençons avec la personne dont le prénom arrive en mais si, je vais voir à l'avance puisque je vais voir leur écran, donc je vais voir ce qu'ils sélectionnent. Ça sera qu'un seul écran, les gars. Je sais pas s'il y a un mode en ligne. C'est à vous de répondre. C'est un multijoueur local, quoi. Jouons au maillon faible. Top chrono. Antoine. Il est en train de regarder le gamin dans le public, là. Correct. Diane. Putain, par contre, le cliché de l'informaticien, des lunettes, une calvitie, les dents qui sortent. Faux. Sébastien, un vote, une touche. En divertissement. Putain, faudrait qu'on teste. Choisissez la bonne réponse. Non, aucune idée. Demain, j'essaie de... On regarde. William, ça va être trop bien. En nature. À vous de retrouver la bonne réponse. Ah oui, ça me dit quelque chose. Correct. Voilà, William, il est fort. Vive William. Répondez à cette c'est vrai que je ressemble à Valentin Raffaut. Quelle est la fleur associée avec la Hollande? Libère-moi les réponses, mais putain, c'est chiant, ça. Quelle est la fleur associée... La tulipe? Correct. Elle est trop fort. Brigitte, en divertissement. Attends, on va voir la comparaison, je vais vous mettre répondez Valentin. À cette question. Je passe. Connasse, eh, ça, je l'ai pas oublié, Cyril, ça, que t'as passé. Je vote nature. Pour toi. À vous de donner la bonne réponse. Il est où mon Valentin là? Bien sûr. Correct. Antoine, répondez à cette question. Gros puceau. Ah, ça c'est facile. Correct. Diane, en divertissement, choisissez la bonne réponse. Hop. Attends, oui, quand... Mais moi... Attends, mais il y en a deux qui ressemblent à Valentin Raffo en fait. En donne-t-on l'ensemble des oisillons qui viennent de sortir de l'œuf? Oui. Correct. Mais c'est pas oui la réponse. Choisissez la bonne réponse. 300 combien n'ont pas. Tu te fous de ma gueule là? Il a pas répondu à ça? En divertissement. Choisissez la bonne réponse. Gros puceau. Gros. Bah libère-moi les réponses. Attends, le plus petit. Allez, je triche pas, je vous regarde pas, mais il me semble que c'est Joe. Correct. Bon, trop fort. Brigitte, trop fort. A... Ah ouais, j'oublie de faire banque à chaque fois. La bonne réponse. Arrête de me regarder, je vais pas te donner la réponse. Cyril, choisissez la réponse correcte. Je sais pas. Il a la gueule de savoir ça, le mec. Antoine, il boit des bières toute la journée. La bonne non mais sérieux, vous posez la question à... Je sais même pas comment la il s'appelle. La somme que vous avez péniblement réussi à mettre en banque est tout on va virer Cyril. Hein. Ridicule. Mais toi, ta gueule, toi. T'es payé pour poser des questions, grosse connasse. Tu te permets de nous critiquer. Quelqu'un n'est vraiment je suis fonctionnaire, pas hein. Vous ne pouvez tolérer un poids mort dans cette équipe. Qui doit partir? Les gars. C'est à vous de le dire et de désigner le maillon faible. Brigitte Cyril. Les membres de l'équipe doivent se fier à leur mémoire et à leur instinct au moment de prendre cette décision. Attends, Brigitte, elle a... Non, Brigitte, elle a sauté quoi? William aussi, il a sauté. Il a passé 120, je sais plus quoi, là. Vas-y, ça va être vous. C'est vous qui votez cette fois-ci. Vous me dites un nom. Je suis capable de l'éliminer. Sébastien, Diane, Antoine, Cyril, Brigitte, William. Non, on va virer Brigitte, j'en ai rien à foutre. Vous pensez vraiment avoir une chance de gagner en répondant à ces... Mais ta gueule, toi! Je suis en train de parler avec mon chat, là. Elle se permet de... Putain! Allez, Brigitte, ça dégage pour moi. La calvitie a voté. Oh, Cyril. Ouh, Cyril. Oh, le public qui est animé derrière. Hein. Il y a du monde. Hein. Cyril est le maillon faible. Il y a la gueule qu'il a. Gérard est le maillon fort. Eh ouais. Fonctionnaire, les gars. Mais les votes seront-ils... T'es là juste pour tes beaux yeux, toi. Pas du vote.
C'est le moment de nous révéler qui, selon vous, est le maillon faible. Les candidats ont voté pour... Voilà, c'est ça mon William, c'est ça mon William. Ça c'est mon William. Gérard. Mais elle a quoi? Gérard. Mais attends, quoi? Brigitte. Attends, il vote pour moi là? Gérard. Je m'appelle Gérard? Brigitte. William. Attends, je m'appelle Gérard, on est d'accord. Vous pouviez vraiment pas faire mieux? Faut dire que j'ai du mal à supporter la pression. Oui, bon, ça, à chaque fois tu me dis. Ah bah, si elle faisait mon métier, il y aurait des problèmes dans le ciel. Capable de faire atterrir un avion. Brigitte, si vous vous débrouillez aussi bien dans votre travail, vous feriez bien de vous renseigner sur l'adresse de la NPE la plus proche de chez vous. Waouh! Oh la clash! Oh le clash! Allez, casse-toi, Brigitte! Je crois pas que ce genre de commentaire va faire avancer les choses. Allez, elle t'a clashé, casse-toi d'ici, là, va la NPE là! Et Brigitte, tu te casses de là, là! C'est une vraie catastrophe, oh, c'est vraiment. Casse-toi de là, là! Je méritais pas. Je fais des fucks là, je fais des doigts d'honneur là! Vous me voyez, je fais des doigts d'honneur là, en fond! Et casse-toi! Putain! Non, mais l'autre! Par contre, Laurence, tu me clashes, fais attention à toi! Hein. Fais très attention à toi! Avec le maillon le plus fort de la manche précédente, jouons tout de suite au maillon faible! On va jouer au maillon faible! Gérard. Allez, c'est parti. C'est à vous de répondre en premier. Jouons au maillon faible. Mais non, mais c'était moi. Mais j'y crois pas, ils ont voté contre moi, Gérard. Ces bâtards. J'ai fait un sans faute. Éléphant. Oui, la réponse est celle du haut. Correct. Cyril. Choisissez la bonne réponse. Hein. Au nombre de jambes d'un couple d'humains. Correct. 12. Antoine. Non mais lui c'est bon, il bande sous... il bande sous le truc. Oh là 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 là, il me dégoûte. Ah oui. Correct. Il me dégoûte. Diane. Il laisse des bouteilles de pisse sous le truc hein. Bonne réponse. Non. Faux. Ah t'es nul. Alors toi tu vas dégager hein. À vous de donner la bonne réponse. Et je peux pas faire banque, elle a perdu l'autre. Oui. Correct. Oui. William. Fais pas banque, fais pas banque. Choisissez la bonne réponse. Quelque chose. Correct. Là, je vais faire banque. Gérard. Banque. À vous yes. La bonne réponse. Commence. Haricot. Correct. Ouais, bah, c'est trop facile ça. Cyril. Par contre, je suis trop fort là. Hein. Je carré la partie. Choisissez là. La bonne réponse. C'est vrai qu'il ressemble au mec d'Energie 12. Hein. Antoine. Attends, mais c'est lui en plus. En science. À vous de retrouver la bonne réponse. Je vais regarder. Ah, ça c'est facile. Correct. Banque. Diane. Hop. En politique. Attends, on va faire la comparaison vous après. La oh, c'est lui. Là, je sèche. Faux. Sébastien. C'est lui, putain. En histoire. Choisissez la bonne réponse. Je vous le mets. Ok, ça je sais. Correct. Il y a encore William. Un tour là. Attends, on va le voir au prochain tour. Divertissement. Choisissez la bonne réponse. Réservoir Dog. Oui, ça me dit quelque chose. Ça me dit quelque chose. Attends, c'est à moi, c'est à moi. En art. Banque. Répondez à cette question. Mais ça n'a pas fait banque. Bram, ça t'est composé. Dis-moi, vite. Là, je perds. Mais mets-moi la réponse. NO. Correct. En divertissement. Trop fort les gars. Fin du temps réglementaire. Regardez, il est là. Pas vraiment ce que j'appellerais une équipe qui fait des étincelles. Ta gueule, mais ferme ta gueule, putain. Conservez cette somme pour la manche suivante, mais là. Putain, va faire le Kameto 30 et me parle pas, ça, les Laurence Bouclini. Merde. Qui vous a fait perdre votre temps jusqu'ici? Pas moi. Alors là, ils votent pour moi, c'est des salopes. Ils votent pour moi, c'est des salopes. Attends, j'ai fait trois trucs bons. Par contre, il y a Lara Croft sur le plateau, là, vous la voyez à droite. Les membres de l'équipe doivent se fier à leur mémoire et à leur instinct au moment de prendre cette décision. Toi, fais très attention, William, on se connaît bien. C'est Diane qui a répondu faux, hein. Attends, mais parce que c'est des touches carrées. Du coup, non, c'est A. Diane, vas-y, je vote Diane. Ça se trouve, j'ai voté William sans faire exprès. C'est bon qu'elle dégage d'ici. Toi, va te branler sur NRG12.
Je sens qu'ils vont me baiser encore comme la partie précédente. Hein. Statistiquement, le maillon fort. Eh ben ouais. Ah bah, je suis désolé. Gérard est le maillon fort. On va me traiter de misogyne, mais c'est, je vote pour le maillon faible, les gars. A mis le plus d'argent en banque dans eh ouais. Sexisme aussi. Statistiques. C'est le moment de nous révéler qui, selon vous, est le classique. Faible. Allez, casse-toi. Les candidats ont voté pour. Fais pas le con, hein. Cyril. Voilà, dégage déjà. Diane. Moi, rien à foutre. Voilà, voilà. Cyril. Mais lui, c'est parce que c'est un keuk. L'autre, c'est parce que c'est un keuk qui veut baiser Diane. L'autre de Énergie 12, là. Diane, vas-y, je vois Cyril, j'ai pas envie de t'éliminer, Diane. Putain. Ça doit être le stress. Mais ta gueule. Pourquoi avoir voté contre lui? C'est du stress. C'est le temps pour répondre, je trouve. Cyril. Si vous vous débrouillez aussi bien dans votre travail... Putain, ça le sim de merde. J'y crois pas, quoi. Mais toi, tu fais la même vanne à chaque fois, Laurence Boccolini, là. Trop difficile pour vous. Si il fait vraiment trop chaud pour rester concentré, on se croirait dans un sauna, vous trouvez pas? 4 votes contre vous, vous êtes le maillon. Oh, les meilleurs, vas-y, vas-y. Il va parler, préparez-vous. Ah, vas-y. Ça me met hors de moi, des trucs comme ça. Non, mais c'est vrai, quoi. Une manche moins bonne que les autres, et hop, éliminez la Cyril. Ah ben moi je trouve pas ça juste du tout, hein. J'ai été très très déçu. Oh putain, ça me met dans les... Putain, je vais retourner voir le football, hein. Putain, merde. Troisième trop manche. Fort, trop fort. Vive Cyril, vive Cyril. Nous retirons encore 10 secondes au chronomètre et nous commençons avec le maillon le plus... Putain, ça me met hors de moi, ça me sort de mes gonds. Il y a un petit bug de son à chaque fois. Bon, virez Lara Croft là, c'est bon. De la dernière manche, ouais. Vous de commencer. Exactement, Jouons exactement. Au maillon faible. Très bien renseigné. C'est moi le maillon fort. Gérard, choisissez la bonne réponse. 16 ans, non? Je suis sûr que c'est 16 ans. Je tente ou pas? 16. Putain! J'aurais dû attendre le chat. Choisissez la bonne réponse. Ah, ça c'est facile. Correct. Mais oui, hein, c'était facile. Et je suis limite minique et je suis sur mon PC, fils de pute. Choisissez la bonne réponse. Putain, vous avez un sacré décalage. Hein. Faux. Allez, elle est nulle. Bouh, Lara Croft, bouh. Géographie. Virez-la. Répondez à cette question. Oui. Après, faudrait peut-être gagner de l'argent, quoi. William, en sport, choisissez hors la jeu. Bonne réponse. Mais pourquoi j'ai pas des questions comme ça, oh, moi? Non mais t'es sérieux? En avant? À vous de retrouver la bonne 3 réponse. Barres chocolatées. 30 centimes, 45 centimes, 5. Correct. Trop fort. Mathématicien, Antoine, hein. Et toi, le petit sim de merde, là. Choisissez la réponse correcte. Il est en laisse, hein. Ah oui. Ah oui. La gamine, ouais. Là, je sèche. Mais t'es trop nul. Sébastien. Mais barre-là. Géographie. Choisissez la réponse correcte. Mets des sous. Ok, ça je sais. Correct. Ouais, voilà. Et toi, trompe pas, comme ça je fais banque. Bâtard, il m'a volé choisissez mon banque. La réponse correcte. Ah oui, ça me dit quelque chose. Ok, correct. Là je fais banque. Gérard. Banque, allez hop. En géographie. À vous de retrouver la bonne réponse. S'il vous plaît, dites-moi là. Dites-moi. Il y a un décalage de ouf. Tage. Portugal. Vite. Lisbonne. Je le savais, Laurence. Antoine. Je le savais. Choisissez Laurence. La bonne réponse. Ah, ça c'est facile. Non, correct. Mais c'est bon. Diane. Oh la suceuse, elle a mis banque. Tu crois qu'on a oublié ces deux questions ratées? Là je sèche. Vas-y, virez là. Je vous jure que le simple là, il vote pas, c'est pas le... J'ai jamais vu ça. Hein. Sans intérêt. Ouais, Diane, elle est vraiment trop mignonne, Diane. L'une d'entre vous elle est quand même super forte, on va pas la virer quand même, les gars. Qui mérite de quitter cette équipe? De qui voulez-vous vous débarrasser? Oui, bon, j'ai ma réponse. C'est à vous de le dire et de désigner le maillon faible. J'ai mis 50 balles dans la banque et j'ai répondu à 3 questions. Allez William, t'es pas con, hein. Rond. Putain, les bâtards, ils changent les touches. Rond. Allez, toi, lui, il est en train de trembler parce qu'elle est à côté d'elle. Putain. Diane est statistiquement le maillon faible. On l'avait remarqué, ouais. Dans cette manche,
c'est Antoine, le maillon fort. Diane... Diane est la connasse de la Manche, ouais, on l'a entendu. Ouais. Mais les votes, seront-ils conformes aux statistiques ? Fin du vote ! C'est le moment de nous révéler qui, selon vous, est le maillon faible. Vas-y. Les candidats ont voté pour... William fait pas le con, hein. Diane. Voilà, William. Hey, William, c'est mon gars. Diane. William, là. Diane. Oh, putain. Sébastien. Sa bite a repoussé. Diane. Ses couilles ont repoussé. William, puis-je vous rappeler qu'ici, vous pouvez aussi donner quelques bonnes réponses. Mais tu vas te... Hey. Pourquoi avoir voté contre elle ? Je te rappelle que t'as plus de carrière, Laurence Boccolini, et que t'as mis des émissions sur... je sais pas quoi, là... Chéri 25, là. Un score d'une... Non mais attends, l'autre, elle clash William, mon pote. Connasse. C'est vraiment ridicule de dire que j'étais le maillon faible de cette manche. Pourquoi avoir voté contre elle ? Elle fait beaucoup trop d'erreurs, c'est tout. La bécasse. Diane, dites-moi, vous connaissez les règles du jeu, au moins ? Pas de quoi être fier de cette manche. Sans intérêt. Ben, j'ai un peu paniqué. Avec 4 votes contre... Il y a pas grand-chose dans le ciboulot, Diane. Hein. Désolé de te le dire. Je crois pas que ce soit très juste la façon dont ils se sont ligués contre moi pour me virer. T'as fait 4 mauvaises réponses, tu avais perdu 1200 balles. Non, vraiment, je suis pas mécontente de quitter cette équipe, en fait. Mais casse-toi, là, mais on t'en veut pas de toi, là. Allez. Quatrième manche. Bon, les gars, on vote pour le Simp à la prochaine manche, j'en ai rien à foutre qu'il soit... Parce qu'en fait, il va être trop fort, et à la finale, il va me défoncer. Nous commençons avec le maillon le plus fort de la manche précédente. Jouons tout de suite au maillon faible. Allez. Toi, t'arrêtes de vanner, William. Antoine, vous étiez le maillon fort de la dernière manche et c'est à vous de commencer. Ouais. Jouons au maillon faible. Je vais voter pour toi. Quoi. Top chrono. Antoine. Trompe-toi. En divertissement. Trompe-toi. Répondez à cette question. Je passe. Yes. T'étais pas la réponse, Sébastien, hein. En histoire. Mais y a pas Laurence, une question raconte. Passe. William, je verrai pour le multi. Divertissement. Et tenu. Donner la bonne réponse. Attends, ils ont passé tous les deux là. Ça, c'est une colle. Faux. Gérard. Attends, mais vous êtes trop nul. En géographie. Choisissez la réponse correcte. Alors là. Varsovie, je suppose que c'est ça. Vous l'avez ou pas ? Cracovie. Merci Pierre. Cracovie, non ? Allez, je t'en craque. Correct. Je suis un Cracovie. En histoire, choisissez la bonne. Ah, réponse. Tu sais pas ça, hein, le petit, hein ? Ah, ça c'est facile. Correct. Fils de pute. Banque. Sébastien, en histoire. Il ressemble à. Choisissez la réponse correcte. Merci Pierre pour le sub. Hein. Je sais pas si tu as dit. Oui. Correct. Rasputin. William. En géographie. Je me fais baiser. À vous de retrouver la bonne réponse. Allez, vite. Correct. Gérard, en divertissement, à vous de donner la bonne réponse. Alors là. Non, les gars, je peux pas. Non. Marianne Chazelle, non ? Chazelle. Oui, la réponse est... Sale pute ! Je vais me faire virer ! Une histoire. Choisissez la réponse correcte. Ah oui. Correct. En fait, le problème, c'est que j'ai répondu trop longtemps aux questions et lui, il a fait banque. Oh non. Fin du temps réglementaire. Non. La somme que vous William, avez t'es mon pote. Réussi à mettre en banque. William, je t'en supplie, fais pas le con. Vous conservez cette somme pour la manche suivante. Mais non, mais en plus, William, il a fait banque. L'un d'entre vous va devoir nous quitter. Quelqu'un ici vous empêche de faire un parcours sans faute. Ta gueule, parle pas. Qui est le ou la responsable ? Je suis pas le maillon faible. C'est à vous de le dire et de désigner le maillon faible. Mais attends, mais l'autre, il a juste fait banque, il a passé les questions. Est-ce qu'on trahit notre pote William ? Non, on vote Sébastien. Allez, Seb, ça dégage. C'est bon, il a fait que passer. Allez Antoine, fais pas le con. Hein. Dégage, toi.
D'après les statistiques, Sébastien est le maillon faible. Voilà. Dans cette manche, c'est Antoine le maillon fort. Toujours un maillon fort. Sébastien est le candidat qui a su. Oui, c'était. Il n'y a que ça, c'est vraiment la troisième place, quoi. Les votes de l'équipe confirmeront-ils ces informations ? J'ai ramené un petit peu de bouffe à la maison. C'est le moment de nous révéler qui, selon vous, est le maillon faible. Fais pas le con, William, fais pas le con. Les candidats ont voté pour. William, mon frère. Sébastien. Dégage la racaille là. Ouais, c'est ça, t'as la haine. Allez, casse-toi d'ici. C'est ici. William. C'est le vélodrome ici, c'est Marseille bébé, mec. C'est le maillon faible bébé. Je prends mon temps avant de décider quoi que ce soit. Pourquoi avoir voté contre lui? Parce que c'est mon pote. Si j'avais fait autant d'erreurs que lui, j'aurais été tout de suite éliminé. Hein. Sébastien. En un mot consternant. Vas-y, dis-moi pourquoi t'as voté pour moi. Que votre métier vous aurait enseigné deux ou trois choses. Mais il y en a d'autres qui apportent beaucoup moins à l'équipe que moi. Avec trois votes contre vous. Donc moi, t'es en train de m'accuser, moi ? On se retrouve dans la loge, Seb. Je sais absolument pas quoi dire. Je suis totalement passé à côté, j'ai vraiment pas l'habitude. Ouais, t'es casse-toi d'ici. C'est tellement absurde, je suis vraiment déçu. Oui, t'es vraiment une grosse merde comme Snaptrox, ouais. Dégage. Merci Insidious pour le Prime. Merci beaucoup. Raciste, boss. Vous n'êtes plus que trois. Ça m'énerve ça, les mecs qui veulent virer William, ça me rend fou. Le plus fort de la manche précédente. Tout de suite au maillon faible. Oh William, on fait équipe, on vire le l'intello là. Va te faire enculer. Antoine. Merci Tsuki, Kuyiki. C'est à vous de répondre en premier. Je sais pas ce que ça veut dire, ça se trouve c'est une insulte. Hein. Top chrono. Antoine. Oh. Allez, ça je sais. Choisissez la bonne réponse. Ah, ça c'est facile. Mais fils de pute. William. En nature. Choisissez la bonne réponse. Ah ouais. Correct. Gérard. En histoire. Choisissez la réponse correcte. Quoi? Oh non, mais vas-y, je vais mourir, mais il me pose des questions de ouf. Montgomery. Correct. Ah ouais, elle est passée tout à l'heure. Antoine. En art. Merci beaucoup, All. La bonne réponse. All Ent. Ah oui. All correct. ATN, pardon. Non, vas-y, William, si t'es pas con, tu le vires comme ça, il y a le... Oh comme... non. Faux. William, il est pas Gérard, con. En divertissement. Par où le lot en tenant la cheminée. Oui, la réponse est celle du haut. Correct. Banque. Antoine. En histoire. Choisissez la réponse correcte. William, il va faire... William correct. Va faire banque. William. Fais pas banque. En divertissement. Répondez à cette question. Je passe. P. Ouh. J'ai failli dire le P. Nature. Et. Choisissez. Pochetron. Va. Quel nom donne une jument? Non. Étalon. Faux. Pff. Antoine. Non les gars, je suis trop nul. En histoire. Non, pochetron, je voulais dire, les gars. Pochetron. Ah oui. Correct. Bon, William. William. Sport. William. Du temps réglementaire. William. La somme que vous avez péniblement réussi à mettre en banque est tout simplement ridicule. Ta gueule, mais putain, mais conservez merde. Cette somme pour la manche suivante, mais l'un ou l'une d'entre vous va devoir nous quitter. Putain, t'as des bourrelets tout autour du cou, là. Qui mérite pas. De quitter cette équipe? De qui voulez-vous vous débarrasser? Elle vanne trop pour une meuf. C'est à vous de le dire et de désigner. Bref. Le maillon faible. Il y a jamais personne qui s'est levé, qui l'a insulté là. Au moment de prendre cette décision. C'est quoi ces conneries là? William. Antoine. On vote Antoine. Antoine. Mais ça dégage l'intello de merde. William, fais pas le con. Hein. William est le maillon faible de cette manche. Ça fait quoi s'il y a égalité? Dans cette manche, c'est merci Alésia. Le maillon fort. C'est William qui a mis le plus d'argent de côté. Bravo William. Ouh William le boss. L'a-t-elle le remarqué? Trop fort William. C'est le moment de nous révéler qui selon vous est le maillon faible. Trop fort William, hein, pas, vous trouvez les pas? Les candidats ont voté pour. Oh moi je le trouve magnifique. Ouais. Mais putain c'est le boss. Mais Antoine. C'est... Il est trop fort. William. William. William.
Viens dans ma loge, après, je te termine. Je te termine. Je reconnais que j'ai pas fait assez attention aux détails. Eh ouais, tape là, William. C'est moi qu'on puisse dire. Bah, je crois qu'il vaut mieux éliminer tout de suite ce qui représente une menace. Oui, oui, ça, je suis complètement d'accord avec toi, Elian. Allez, ça dégage. Ça se barre d'ici, s'il te plaît. Vous êtes le maillon faible. Allez, les gars, on va en finale là. Et rien à foutre, on triche pendant la finale. Un peu plus longtemps. Oh, comme la démarche, comme il est parti. Aussi rapidement. Mes proches vont être déçus, ça. J'ai pas fini d'en entendre parler. Oui, oui, allez, va étudier les mathématiques et tout. Là. Sixième manche, et vous n'êtes plus que deux. Le temps qui vous est imparti maintenant est de 80. Les gars, on triche, hein. Il est temps d'exploser William. On a été potes, mais maintenant c'est la guerre. C'est la guerre. 7500 euros sont maintenant en oui, jeu. Oui, oui, bah tu peux arrêter de parler par contre. Par le maillon le plus fort de la manche précédente. Jouons tout de suite au maillon faible. Les gars, on triche. On bousille William, on bousille William. Il y a plus d'amitié là. Gérard, vous êtes le maillon le plus fort de la manche précédente et c'est donc à vous de commencer. Jouons au maillon faible. On joue les traîtres là. Top chrono. Gérard, en histoire, choisissez la bonne réponse. Les gars, Léon Trotsky. Je dirais Mexique, non? Je sais qu'ils l'ont envoyé loin. De toute façon, j'avais dit. Non, mais les gars, même avant que vous me disiez, j'avais pensé à Mexique, donc. C'est quoi, prochaine partie, je triche. Enfin, prochainement, je triche. Je passe. Allez, bouffon! Gérard, à vous de retrouver la bonne réponse. 45. Correct. Oh, j'ai au hasard. Hein. William, mais bon, tu t'as ramené. Mais lui, il a ramené aucun question. Argent. Hein. Je passe. Allez, passe. Dégage. Gérard, en sport. Quoi? À vous de retrouver 7 la mètres, 7 réponse. Mètres. Oh, je suis le monstre. William, vas-y, mets de l'argent dans la banque. En attendant, c'est moi qui le ramène, l'argent. La réponse correcte. Je passe. Oui, mais toi, à part dire comme Notorious Gérard, Big, dans... Merde, je sais plus c'est quoi la chanson. Bonne réponse. Ah les gars, c'est lequel là par contre? Qui connaît Paris là? Qui connaît Paris s'il vous plaît? On panique pas, on panique pas. Un ou deux? Cinquième, mais ça fait trois réponses différentes. Bon allez, je tente le 5. William. J'aurais dû voter pour l'un. En divertissement, à vous de donner la bonne réponse. Mais comment ça se passe là? Du temps réglementaire. La somme que vous avez péniblement réussi à mettre. Donc là, je vais partir avec 1500 balles. Ridicule. Oh l'arnaque. Le montant des gains remportés aujourd'hui s'affiche en bas de votre écran. C'est une vidéo d'Amixem, ça. Hein. Seul l'un d'entre vous pourra remporter cet argent. Vous allez jouer chacun pour vous, en tête à tête. Je vais vous poser des questions. Chacun votre putain. Tour. 5 questions chacun. Celui qui répond le mieux. Panique pas, les gars. C'est aussi simple que cela. En cas de match nul au terme des 5 questions. Vous passerez l'épreuve de la mais j'ai compris. Jusqu'à ce qu'il n'y ait plus qu'un seul gagnant. Jouons tout de suite au maillon faible. Allez, c'est parti, c'est la finale les gars. Je crois que c'est vraiment la finale. Je savais pas qu'il y avait encore une manche, vous mais là c'est vraiment la finale. Le plus fort de la manche précédente, vous pouvez choisir de commencer ou de laisser la main. Je sais pas comment ça se passe. Je sais pas si c'est mieux de garder la main ou de la laisser. On la laisse ou on la garde? Je pense que je vais la laisser. Comme ça, je peux me préparer à tricher. Je laisse là. Hop, Google est activé, les gars. Rien à foutre, on va exploser William. William, à vous de donner la bonne réponse. Non, mais le vieux. Ça me dit quelque chose. Correct. Oh putain, il commence fort, c'est une séance de tir au but, les gars. En science, à vous de retrouver la bonne réponse. Mets-toi le plus lourd, les gars. Or, argent. Vas-y, je mets or. Je pensais or aussi, mais vas-y, on sait jamais. Non, c'est pas or. Papa, pilou, répondez à cette question. Armstrong. Correct. Mais vas-y, t'as vu les questions qui se tapent en mode. En divertissement, choisissez la réponse correcte. Policier célèbre. Putain, j'ai trop... Non, vas-y, je vais perdre. Navarro! Navarro, je connais par cœur, c'était... Navarro, oui, les gars. La réponse est celle du haut. Correct. William,
en histoire. Trompe-toi. À vous de la bonne réponse. Trompe-toi. Ah ouais. Correct. Baisse ta mère, Gérard. Il a fait des bonnes réponses. En sport. À vous de retrouver la bonne réponse. Wow. Saut, perche, hauteur, 6 mètres, premier. Oh là là, c'est trop dur. Je sais pas, les gars. Je sais pas c'est qui. N. Elle vous dit trop de réponses différentes. Boubka. Yes. On va la caler. On va la pécho. Trompe. Trompe. Ça, c'est une colle. Gérard. Très aigué. On fait pas une très aiguë comme en 2006. À vous de donner la bonne réponse. Téléthon. Eurovision. Allez, hop. Téléthon, je dis. En géographie. À vous de retrouver la bonne réponse. Allez, tu trouves. Quoi? Je retrouve ça. Gérard, vous devez répondre juste à cette question pour rester avec nous. En sport, choisissez la bonne réponse. Waouh, c'est pas George Weah? Ambassadeur. Nations Unies 2001, footballeur. Nicolas de la Rivière? Ah non. Zidane? Bah oui, Zidane, évidemment. Oh les gars, vous croyez que je savais pas? Zidane. Correct. Nous passons à présent à l'épreuve de la mort subite. Les questions seront toujours posées par paire. Si vous avez volé le concept au foot, les gars. L'autre devra également répondre correctement à sa question. Sinon, il sera éliminé. Alors, mais ouais, et moi je triche pas comme l'autre William, Laurence. Hein, c'est juste. Non mais, Laurence, je me permets, je trouve qu'il répond William. Un peu trop facilement. Je me permets. Choisissez la bonne réponse. Laurent, je veux pas parler pendant la question. Oh ouais. Correct. Désolé d'être chiant, Laurent. Ça. Gérard, vous devez répondre juste à cette question pour rester avec nous. Vas-y. Gérard, vas-y. En divertissement, répondez à cette la Grèce. Question. Tu me prends Correct. Pour un con, Laurence? William. Trompe. En divertissement, choisissez la réponse correcte. Mais attends, mais vas-y. Ah ouais. Mais attends, Correct. Mais c'est trop facile. Gérard, vous devez répondre juste à cette question pour rester avec nous. Monsieur Gérard, Univers. En art, à vous de donner la bonne réponse. C'est pas Lionel? Écrivain, père, commissaire Maigret. John? Ah non, pas du tout. Alors là, je sais pas, les gars. On tente. On va tenter le S. C'est le S. Allez, décidez-vous. Mais ta gueule, toi. Je réponds quand je veux. Et tu sais quoi? Je vais te faire attendre. Le J, c'est le S ou pas? Le J, c'est le S? Correct. Le J, c'est le S. William. Moi, je triche pas comme William, Laurence. Choisissez la réponse correcte. Merci, Keliato, pour les 100 bits. Faux. Oh le nul! Oh le nul! Gérard, si vous répondez correctement à cette question. La grosse merde! Gérard! William le nul! Géographie. Choisissez la réponse correcte. On triche pas. Le Laos. Faux. Quand c'est la dernière William. Question, je triche pas. En science, choisissez la bonne réponse. Ah, ça, c'est une colle. Faux. Je triche pas. Si je réponds directos. Question, ta gueule, je sais. Gérard, ma famille a besoin de bouffe. Répondez à cette question. Le gars, le gras, le gu. Alors là. Guep. Correct. J'ai gagné là? Mais j'ai gagné! Ah ouais, Samba! Vous êtes le maillon fort! Mais ouais, Nagabin! Samba! William, tu dégages! Tu m'as aidé! William, t'étais qu'un pion! T'étais qu'un pion dans le jeu! De venir ici, de rencontrer tous ces gens, ouais. C'est déjà incroyable, mais gagner en plus! Gagner! Je vais pouvoir aller en Turquie! Avec ces 1500, je vais pouvoir me payer une putain d'opération! Vous venez de jouer au maillon faible. À bientôt. Oh, le petit clin d'œil. Connasse.